Donald Trump remporté élection présidentielle qui déroulait dans la cour États-Unis hier mardi 5 novembre 2024 face Kamala. Kamala fait 66 415 656 votes qui bat 47.5%. 224 grands électeurs qui donc Kamala a besoin de 270 grands électeurs pour être capable de gagner élection présidentielle. Donald Trump fait 71 353 267 votes qui bat 51%. 277 grands électeurs. Donald Trump a besoin 270 pour être capable de gagner l'élection présidentielle. Il fait plus passer 270 là. Eh bien, Donald Trump gagné élection présidentielle qui déroulait dans la cour États-Unis hier mardi 5 novembre 2024. Parti républicain contrôlait deux chambres congrès. Chambre député et sénat. Majorité moun ki élit c'est républicain. Plus Cour suprême qui dominé par les conservateurs. Ça veut dire tout ça Trump t'a dit l'affaire s'il pas changer idée, il ka toujours faire déportation massive. Il te fait qu'on est a gagné une déportation qui fait dans la cour États-Unis pour la première fois déportation massive ça a fait. Moun ki illégal. Moun ki entre nan programme Biden, moun se si, moun se la, se sa Trump te di pendant campagne électorale nan la cour États-Unis. Est-ce que après misé fin prêté serment, est-ce que misé tout bon vrai pour faire déportation massive ça? Mais Salom di, c'est pas ça bon Dieu dit. Bon Dieu, qu'a parlé dans Kelly, li changer ça. Nous quitter la caille pour faire pas bon. N'al chercher yon la vie meilleur, mais citoyen fait connait, li pral déporter tout moun sa yo qui rentre États-Unis dans cadre programme Biden avec moun qui passe sous frontière Mexico pour rentrer États-Unis moun si BP won yo. En tout cas, mes amis, bagay lan pas facile pour compatriotes nou yo. Donc on est hier là en pile fouen aksen couché sous vente. Mais courage, c'est pays nou pour nous faire. C'est pays nou pour nous faire. Si pays nou t'est bon, nous pas t'a aucun problème de déclaration piment bouc Donald Trump a fait contre nous. Parole raciste, zak raciste, y a fait contre nous yo, c'est parce qu'en pa gen pays, c'est parce qu'en pa gen dirigeant. Nous gen pays, c'est parce qu'en pa gen dirigeant. Leslie Voltaire, premier moun qui félicite Donald Trump, qui remporte l'élection présidentielle, c'est lui-même, États-Unis. Leslie Voltaire. Nèg sa ou sans honte, yo là, yo pa régler rien. Y a félicité Donald Trump. Pour qui ça, yo va dire nous pral faire tout ça qui dépend de nous pour nous mettre sécurité dans le pays là, pour nous combattre insécurité, kidnapping. En tout cas, on entendait le premier discours Donald Trump fait matin ou bien dans la nuit 5 pour l'ouvrir mercredi 6 novembre 2024. Entendez cause. Thank you very much. Wow. Merci beaucoup. Wow. Eh bien, je veux tous vous remercier. Ce sont tous mes amis ici. Nous avons des milliers d'amis. Un mouvement incroyable. C'est un mouvement comme personne n'en a vu auparavant. Et franchement, je crois que ça a été
Le plus grand mouvement politique de tous les temps. Il n'y a jamais eu quelque chose de tel dans ce pays auparavant. Et je pense que ça va atteindre maintenant un nouveau niveau parce que nous allons aider notre pays à se guérir. Notre pays a besoin d'aide, grandement. Nous allons réparer la frontière, nous allons réparer tout ce qu'il y a à réparer de notre pays. Nous avons fait l'histoire pour une raison ce soir. Nous avons surmonté des obstacles tels que personne ne pensait que nous étions capables de le faire. Et ça a été la chose politique la plus extraordinaire. Regardez ça. Mais c'est une victoire politique que notre pays n'a jamais vue auparavant. Donc, je veux remercier le peuple américain pour l'honneur qu'il m'a fait de m'élire comme 47e président. Et je suis aussi encore votre 45e président. Et pour tous les citoyens, je veux vous dire que je vais me battre pour vous, pour votre famille, pour votre avenir. À tous les jours, je vais me battre pour vous. Avec chacun des souffles, nous allons vous livrer une Amérique forte et sécuritaire que vous méritez, que vos enfants méritent. Ce sera véritablement l'âge d'or de l'Amérique. C'est une victoire magnifique pour le peuple américain qui nous permettra de faire en sorte que l'Amérique connaisse à nouveau la grandeur. Et en plus d'avoir gagné la Caroline du Nord, l'État pivot, j'adore ces endroits, la Géorgie, la Pennsylvanie, le Wisconsin, nous sommes en train de gagner maintenant au Michigan et en Alaska, ce qui veut dire que nous aurons au moins 315 votes électoraux. But it's much easier doing what... Mais c'est beaucoup plus facile de faire comme les grands réseaux l'ont fait, c'est-à-dire de me déclarer victorieux, car il n'y avait aucune autre façon d'atteindre la victoire. Nous avons aussi gagné le vote populaire. Thank you. Merci. Thank you very much. Merci, merci beaucoup. Vous savez, d'avoir gagné le vote populaire, c'était très bien, je peux vous dire ça. C'est un grand sentiment d'amour que j'éprouve. Et ici aussi, dans cette salle, avec des gens extraordinaires qui se tiennent à mes côtés, ces gens ont été extraordinaires. Ils ont fait ce voyage à mes côtés. Et nous allons faire en sorte que vous soyez fiers de nous tous. J'espère qu'un jour, vous allez vous retourner et vous dire que c'était un des moments les plus importants de ma vie lorsque j'ai voté pour ce groupe de gens. Au-delà du président, ce groupe de gens, l'Amérique nous a donné un mandat sans précédent et très fort. Nous avons repris le contrôle du Sénat et les courses sénatoriales au Montana, Nevada, au Texas et en Ohio, au Michigan, au Wisconsin et dans le grand Commonwealth de la Pennsylvanie ont tous été remportés par le mouvement MAGA. Et dans ces cas-là, nous avons travaillé avec les sénateurs pour leur permettre de gagner des courses très difficiles. Le nombre de courses au Sénat, nous avons fait des télé-rallies. Nous avons parfois fait deux ou trois dans une seule journée et c'est extraordinaire de voir autant de victoires. Personne ne s'attendait à ça. Alors, je veux vous remercier pour ça. Vous avez des grands et bons sénateurs
Et il semblerait que nous allons aussi garder le conserver le contrôle de la Chambre des représentants. Et je veux remercier Mike Johnson. Je pense qu'il fait un travail merveilleux. Merveilleux. Je veux aussi remercier ma femme Melania, la première dame de notre pays. Who has the number one best-selling book in the country? Qui a le livre qui se vend le mieux dans tout le pays? C'est elle. Oh, no, she's done a great job. Non, elle a fait un très bon travail. Elle travaille très fort pour aider les gens. Alors, je veux la remercier. Mais je veux remercier toute ma famille. Mes enfants extraordinaires, et ils sont des enfants extraordinaires. On pense tous ça de leurs de nos enfants, n'est-ce pas? Et c'est une bonne chose quand on pense que nos enfants sont les meilleurs, mais Don, Ivanka, Tiffany, Laura, et Jared, et Kimberly, Michael, merci beaucoup à vous tous et toutes. My father-in-law Victor is tremendous. Mon beau-père, Victor, et Amalia, la mère de ma femme, nous manque beaucoup. Elle aurait été tellement fière. C'était une grande femme. Elle était très belle à l'intérieur et à l'extérieur. Une femme merveilleuse. Je veux être le premier à remercier, à féliciter notre vice-président élu des États-Unis, J.D. Vance. And is absolutely remarkable. Et sa femme absolument remarquable et merveilleuse, ou Chavez. C'est un gars extraordinaire, n'est-ce pas? J'ai dit, va dans le camp ennemi, et tu sais que le camp ennemi, c'était des réseaux. Alors, il m'a dit, monsieur, est-ce que je dois faire ça? J'ai dit, OK, lequel? CNN, MSNBC. Il a dit, merci beaucoup. C'est le seul qui a l'air de ne pas vouloir le faire, et ensuite, il y va, et il cogne la balle en dehors du parc. Allez, dis-nous quelques mots, J.D. Wow. Well, Mr. President. Eh bien, Monsieur le Président, j'apprécie beaucoup que vous m'ayez permis de me joindre à vous dans ce voyage. Et je pense que c'est le plus grand retour en politique qu'on ait jamais vu aux États-Unis d'Amérique. Et sous le leadership du président Trump, nous n'arrêterons jamais de nous battre pour vos rêves, pour l'avenir de vous et de vos enfants. Et après le plus grand retour sur la scène politique, nous allons mener le plus grand retour économique sous le leadership de Donald Trump. Thank you very much. Merci beaucoup. Finalement, ça a été un bon choix. Et j'ai pris un peu de critique au tout début, mais je savais que sa marque était très bonne. Et nous avons aimé beaucoup sa famille dès le début. Et on a dit, on va attendre. Pendant 4 ans, on va changer la donne dans notre pays. Et nous avons perdu cette petite chose qu'on appelle spéciale. Et vous savez, on va changer la donne. C'est le plus grand pays au monde. Et potentiellement, le plus grand pays de loin. Et donc, nous allons travailler très fort pour retrouver tout ça. Et je ne sais pas, ça allait très mal dans notre pays. Nous allons sceller la frontière. Nous allons contrôler qui entre dans notre pays. Nous voulons que des gens viennent dans notre pays.
mais nous devons faire en sorte qu'ils viennent légalement dans ce pays. Et laissez-moi aussi vous exprimer mon appréciation pour Susie et Chris pour le travail qu'ils ont fait. Susie, viens ici. Chris, allez, toi aussi. Susie aime bien être dans le dernier. On l'appelle la servante aux mains de glace. Susie likes to stay in the background. She's... Susie aime bien se cacher en arrière-plan. This was unexpected, but... Je ne m'attendais pas à ça, mais je veux remercier honnêtement le président Trump pour le cheminement que nous avons fait ensemble. Il sera le meilleur 47e président et l'équipe qu'il y a ici sera la meilleure. Et même ma patronne, Susie Wild, c'est la meilleure. Merci. Thank you and thank you. Merci et merci, Susie. J'ai jamais vu gêner auparavant. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ils sont fantastiques. Tout le monde ici sur la scène est extraordinaire. Tout le monde est très spécial. Mais qui ça? Oh oui, laissez-moi vous dire, on a une nouvelle vedette. Elon, une nouvelle vedette, elle est. Now he's an amazing guy. We were... Ouais, c'est un type extraordinaire. On était assis ensemble. Il a passé 2 semaines à Philadelphie, dans différentes parties de Philadelphie. Et vous savez, il a fait monter une fusée il y a 2 semaines. Et quand je l'ai vu redescendre, quand cette fusée est revenue, elle était blanche au début, mais elle arrivait à 10 000 à l'heure et elle est en train de brûler. Eh bien, je sais pas, on n'a pas de peinture qui peut résister à ce genre de chaleur. Mais lorsque je l'ai vue et qu'elle s'est retournée, et vous savez, c'est 22 étages, ça a l'air petit à la caméra, mais elle est descendue, et les flammes qui s'émanaient, et j'ai dit, il y a seulement Elon Musk qui peut faire ça. Et j'ai raconté cette histoire hier soir, j'avais quelqu'un au téléphone, et je n'avais pas de son, et quelqu'un de très important, il est ici d'ailleurs dans la salle, il y a une personne très importante, une des personnes les plus importantes dans le pays en fait, mais vous savez, j'ai été président et maintenant peut-être que je vais être encore président, alors je lui ai demandé de tenir la ligne pendant une seconde. Et surtout, vous savez, quand vous êtes président, les gens vont rester sur la ligne pour vous. Et là, j'ai regardé cette fusée qui descendait et on dirait qu'elle allait rentrer dans sa tour d'amarrage. J'ai dit, bouge pas, il faut que je regarde ça. Je pensais que c'était un film de science-fiction ou quelque chose. Alors, j'ai déposé le téléphone et j'ai laissé le téléphone là pendant 45 minutes et la personne est restée au bout du film et j'ai vu les moteurs qui repartaient et on aurait dit que la fusée allait s'écraser contre la tour et soudainement les flammes se sont échappées de ses tuyères et les bras se sont refermés sur la fusée et c'est comme tenir un bébé, vous savez. Et c'était une chose merveilleuse à voir. Et j'ai téléphoné à Elon. J'ai dit, Elon, est-ce que c'était toi? Il dit, ouais, c'est moi, ça. Et qui d'autre peut faire ça? Est-ce que les Russes peuvent faire ça? Non. Et la Chine? Et à part toi, aux États-Unis, qui peut le faire? Personne. Eh bien, c'est pour ça que je t'aime, Elon. Et vous savez, quand on a eu cet ouragan Eileen, cet tragique ouragan qui a frappé la Caroline du Nord, ça a dévasté cet État. C'est un ouragan qui a déversé des torrents d'eau et le danger pour la population était terrible. Et j'ai dit, est-ce que ce serait possible de parler à Elon Musk? On a besoin de Starlink. Et ils m'ont dit, qu'est-ce que c'est Starlink? C'est une forme de communication. Et donc, j'ai téléphoné à Elon et c'était très dangereux. Les gens mouraient là-bas. Il n'y avait pas de communication. Et donc, j'ai téléphoné à Elon. J'ai dit, Elon, tu as quelque chose qui s'appelle Starlink, n'est-ce pas? Il a dit, oui. Qu'est-ce que c'est?
Eh bien, c'est un système de télécommunication qui est excellent. Eh bien, j'ai dit, Elon, ils en ont besoin de toute urgence en Caroline du Nord. Et il a dépêché ses antennes satellites là-bas si rapide. Il a été capable de sauver bien des vies. Mais c'est une personne super spéciale. C'est un génie. Il faut les protéger. Il faut protéger nos super génies. Eh bien, le champion des tournois, Bryce DeChambeau, il doit être ici à quelque part. Là. Il frappe la balle un peu plus loin que moi, mais enfin, où il est là? Bryson! Ah, oh, il est gêné peut-être. Et il est en train de frapper des balles sans doute. Ouais, ouais, il est en train de frapper des balles. Bryson! Look at him. Hey, regardez-le. Il a une très belle carrière avec le US Open. Et on a aussi Mandana White. He's a tough guy. Ça, c'est un dur de dur. So Dana. Alors, Dana a commencé avec la UFC et il est venu me voir. Il a dit, personne ne voulait lui donner la chance parce que c'est un sport assez difficile et je l'ai aidé un petit peu. Et j'ai été avec lui. C'est le sport le plus dur que j'ai jamais vu. Mais j'ai commencé à aimer ça et lui aussi. Et personne n'a fait un meilleur travail dans un sport que lui. Et vous savez, c'est un type qui est capable de vous motiver, vous savez. Et les lutteurs, là, quand ils leur parlent, et c'est devenu l'entreprise une qui a connu le plus grand succès aux États-Unis. Et il n'a qu'à dire que quelques mots, et les gens adorent l'entendre. Alors, viens nous dire quelques mots. Nobody deserves this more than him and nobody... Personne ne mérite ça autant que lui et personne ne mérite ça autant que sa famille. C'est ça qui arrive quand la machine vous poursuit. Voici ce à quoi ça ressemble. On peut pas l'arrêter. Alors, voilà, il continue à aller de l'avant. Un avant-goût peut-être des discours des quatre prochaines années, un peu parfois difficile à suivre, du coq à l'âne, M. Trump qui évidemment... D'abord, il faut préciser une chose, c'est un discours de la victoire, même si il n'y a que Fox News qui, pour l'instant, lui donne la victoire. Les autres réseaux sont prudents, attendent que les luttes se finissent dans les... non pas en Pennsylvanie, mais en Wisconsin et au Michigan. D'où la prudence des autres réseaux. Mais M. Trump, d'ailleurs, il n'a pas dit qu'il avait appelé, parce qu'habituellement, en fait, les choses ne se passent plus comme traditionnellement. C'est terminé. Depuis tradition. Les traditions. J'ai parlé à Kamala, j'aimerais la féliciter. C'est pas du tout dans l'ordre des choses pour lui. Très content. Vous avez vu, et c'est intéressant, totalement inconnu du grand public, Suzy Wiles, qui l'a chaudement remercié. C'est sa directrice de campagne qui, faut quand même le dire, a présidé sur le plus grand comeback de l'histoire politique. Là. Il était en 2000 et tous les commentateurs le disaient, fini. Il se cachait à Mar-a-Lago. Il n'allait pas pouvoir revenir. Il avait trop gaspillé de crédit. Or, il est donc au porte-un-pied dans la Maison-Blanche, 47e président. Je le répète, le plus âgé entré à la Maison-Blanche avec un programme qui risque. On va réécouter la fin de son discours, on revient. Robert F. Kennedy Jr. Il est donc comme Robert Kennedy Jr. Et il va m'aider à rendre l'Amérique, à rendre la santé à l'Amérique. And now he's a great guy and he really means... c'est un chic type, il veut faire des choses et on va l'aider à le faire. Mais j'ai dit, Bobby, laisse-moi le pétrole. On a davantage d'or liquide que n'importe quel pays au monde, plus que l'Arabie Saoudite. Davantage que la Russie, Bobby.
Ne touche pas à l'or liquide, mais à part de ça, amuse-toi. On va rembourser notre dette, on va rembourser les taxes, on va faire des choses que personne d'autre ne peut faire. Janet n'a pas ce qu'on a. Personne n'a ce qu'on a. On a les meilleurs, la meilleure équipe. Et peut-être que c'est la meilleure chose. Cette campagne électorale a été tellement historique de tellement de manières. Nous avons élaboré la coalition la plus grande. On l'a jamais vue dans toute l'histoire américaine. Que ce soit des urbains ou des ruraux, des vieux et des jeunes. Tous ces gens sont là ce soir. Moi, j'ai regardé et il y a eu de très bonnes analyses des gens qui ont voté pour nous. On n'a jamais entendu ça auparavant. Ça vient de toutes les parties de la population américaine, des syndiqués, des non-syndiqués, des Asiatiques, des Américains d'origine arabe. Tout le monde était là. C'était un réalignement historique des citoyens américains de toutes les origines. Nous sommes le parti du gros bon sens. Nous voulons avoir la sécurité à la frontière, nous voulons qu'il y ait la sécurité, nous voulons avoir un bon système d'éducation, nous voulons avoir des militaires puissants. Pendant des années, on n'a pas eu de guerre, sauf qu'on a défait l'État islamique en temps record, mais on n'a pas eu de guerre. Moi, j'ai dit, je vais pas commencer des guerres, je vais arrêter des guerres. Mais c'est aussi une victoire massive pour la démocratie et pour la liberté. Ensemble, nous allons libérer les capacités de l'Amérique et générer un avenir incroyable pour notre peuple. La dernière fois, à ma dernière apparition en campagne, je pense qu'on a eu 900 événements au cours de cette campagne. 900 événements. Alors, beaucoup, beaucoup d'événements de campagne et tout le monde disait, c'est notre dernier événement de campagne. Et maintenant, nous allons faire quelque chose qui est beaucoup plus important parce que ces événements de campagne étaient là pour nous permettre de nous mettre dans cette position où nous pourrons faire quelque chose pour notre pays, d'améliorer la situation de notre pays au-delà de ce qu'elle a jamais été. Il y a des gens qui m'ont dit que Dieu a épargné ma vie pour une raison. Et cette raison, c'était de sauver notre pays et de rendre l'Amérique sa grandeur. Et maintenant, nous allons remplir cette vision ensemble. La tâche devant nous ne sera pas facile, mais j'y mettrai chaque once d'énergie que j'ai et de capacité à combattre que j'ai. Parce que vous m'avez confié cette tâche et la tâche la plus importante au monde. Tout comme je l'ai fait au cours de mon premier mandat, on a eu un très bon premier mandat et je vais gouverner avec un très simple dicton. Les promesses données seront des promesses tenues. Nous allons faire en sorte que l'Amérique soit sécuritaire et libre. Et je demande à tous les citoyens dans ce grand pays de se joindre à nous dans cette tâche noble. Il est temps de mettre les divisions des dernières 4 années derrière nous. Il est temps de s'unir et nous allons essayer. Nous devons essayer. Et nous connaîtrons le succès si on s'y met ensemble. Je l'ai vu au cours de notre premier mandat, alors qu'on a connu toujours plus de succès. Vous savez, le succès va nous permettre de nous retrouver tous ensemble. Et nous allons commencer en mettant l'Amérique en premier, au moins pour une certaine période de temps, pour réparer ce qu'il y a à réparer. Et nous ferons en sorte que l'Amérique sera grande pour tous les Américains. C'est un très grand honneur que vous m'avez fait. Je ne vous laisserai pas tomber. L'avenir de l'Amérique sera plus grande, plus sécuritaire, plus forte qu'elle ne l'a jamais été. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse l'Amérique. Merci beaucoup.
voilà, nous entendons Donald Trump. Nous disons merci à chaque monde qui te prend temps, yo, patience, yo, qui t'attendait et garder vidéo si là. Nous disons Kembe FM, pas faibli, pas molli, pas oublier, abonner, commenter, partager, et puis comme ça, nous pouvons permettre à Chanel cause et peuple à pousser pour plus devant. Bye bye tout le monde, ciao pour une autre vidéo. À la prochaine.